Bonjour, je m'appelle Karen Gay, je suis joaillier créateur et orfèvre. Je fabrique le bijou et l'art de la table depuis une trentaine d'années. Presque tout pour être la base d'une création. J'aime beaucoup la nature, les feuilles, les plantes, tout ce qu'on peut ramasser, on trouve partout des animaux dans l'atelier où je ramasse soit sur les plages, soit dans les champs. C'est pour être aussi des choses plus vastes. J'aime beaucoup lever les têtes vers le cosmos et je travaille beaucoup sur les astres et les planètes. C'est fait des pièces très, entre guillemets, cosmiques. Peut être inspiré par les sciences. Moi j'en ai fait tout un travail sur les génétiques. L'idée que dans les noyaux d'une cellule il se trouve 2 mètres d'ADN, 2 mètres c'est très long, et à partir de cette idée là j'en ai créé cette collier. L'idée c'était de faire un lien entre des créateurs, des choses artistiques et le monde scientifique. On va commencer à regarder toutes les différentes parties de l'atelier. On va commencer avec l'établi, qui est la partie la plus importante. C'est là où je travaille le plus. C'est ici où je découpe le métal. J'utilise les pinces pour les former. Il y a des limes pour limer, ici aussi bien sûr. Et ici c'est le poste de chalumeau où je fais toutes les soudures. Si on a le laminoir, c'est là où je peux créer des plaques et des fils. Je vais montrer avec cet petit morceau que je suis en train de travailler. Ça va être à la fin une coquetier. Je passe le métal. Vous voyez, là maintenant, on a une partie qui commence épais et au fur et à mesure devient plus fine. Dans le laminoir, on crée une file carrée. Moi, je souhaite plutôt une file ronde. Donc, maintenant, il faut que je commence à forger pour avoir une section ronde et pas carrée. Une autre étape pour le coquetier, il faut que l'œuf soit dans une petite coupelle. Et je vais vous montrer comment je veux faire une coupelle. J'en ai déjà dessiné un cercle sur la plaque. Maintenant, je dois le découper. Découpé. Maintenant, je vais commencer à former. Ça se passe ici. Bon, voilà, vous avez vu quelques étapes pour les coquetiers. Si vous souhaiterez le voir, la pièce finie, je vous invite de venir me voir pour la journée européenne de métiers d'art.